nous organisons cette deuxième édition du Grand Rendez-vous des Engagés, d'un engagement fort du territoire depuis maintenant près de 15 ans. Et cette journée donne les capacités d'agir. Chacun doit pouvoir trouver comment avancer sur la responsabilité sociétale des entreprises. On ne va pas inventer le monde post-carbone sans penser l'équation économique du monde post-carbone. Ici, on a toujours cherché à porter et de l'ambition et du sens. Ça ne se fait pas sans des hommes et des femmes formés, aguerris. Bref, un territoire qui a tout ce qu'il faut, toutes les ressources pour aller de l'avant. Donc vraiment, merci à tous très chaleureusement d'y contribuer au quotidien. Il y a plein d'entreprises qui sont engagées depuis déjà des années via la métropole, Nantes Métropole et le réseau des ambassadeurs ou même individuellement. Et on a ce besoin de se rencontrer pour travailler ensemble et vraiment faire évoluer et prendre en maturité nos démarches RSE. Avoir un rendez-vous comme celui-là, une fois par an, c'est extrêmement important. C'est inspirant. Et il est très utile à travers les conférences et la multiplicité des thèmes qui sont abordés. Les salons, les corners et ça sont extrêmement bien faits. Et je crois que sur le fond comme sur la forme, c'est une vraie réussite. C'est pour voir ce qui se fait dans les entreprises, que ce soit social ou environnemental. Tout le monde est en quête de sens en fait et de contact. On essaye de s'orienter vers les métiers de la transition écologique et sociale. Et qu'on a besoin en fait de ressources et de faire réseau. On ne peut pas faire ça. Travailler tous ensemble en fait pour inventer l'économie de demain.